les à-coups là, putain. J'ai plus de repères. En fait, t'as tu mets les roues droites, tu freines et après tu peux soulager ton frein et rentrer dans le virage. À l'extérieur. Voilà, un petit peu de frein. Voilà. Allez, pas de plus, pas de plus, pas d'à-coup. Essaye d'être vraiment souple. Voilà, allez, progressivement, l'énergie accélère, freine. Je peux passer en manuel ? Tu peux passer en manuel. Comment on fait ? Si tu le fais, tu la passes, elle va passer tout seul. Ok. Voilà. Boîte 6 ou 7 ? 7. 7. Allez, freine fort, fort, voilà, on commence à mettre le gradé. Allez, maintenant tu reprends ton virage, garde un peu de frein encore, t'as un petit peu trop de vitesse là. Voilà. Allez, vas-y, tu accélères un petit peu. Vas-y, garde du gaz, très bien, voilà, t'as ton petit filet de gaz, c'est parfait. Le SP dessus ou pas du coup? Comment? Il y a le SP? Oui, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, c'est, pas. C'est pour ça qu'elle part pas. Ouais, non, elle partira pas. Allez, frein, des roues droites, voilà. Et là, tu soulages ton frein et tu rentres dans ton virage. Très bien. Allez, intérieur, voilà, un point de corde, élargi, tu peux accélérer un peu. Voilà, allez, un peu de frein maintenant. Voilà, tu patientes à gauche, tu patientes. Allez, maintenant tu rentres. Un petit filet de gaz, pas trop, pas trop, pas trop. Voilà. Tu ne veux pas avoir un enlevé en fait. C'est le fait d'en enlever qui peut être dangereux. Ah ouais, où ça s'ouvre après. Okay. Si t'en enlèves, en fait, tu vas retransférer la charge vers l'avant et tu vas délaisser ton frein arrière. D'accord. Dans une grande courbe, tu peux perdre ton frein arrière. D'accord. D'accord. Allez, dernier tour. Ouais. Ah, c'est génial, franchement, c'est un truc de fou. Hein. C'est vrai que les... Allez. Voilà. Là, soulage ton frein. Il vaut mieux freiner un peu trop, il va accélérer dans le virage. Voilà, t'es un peu trop vite encore là, tu vois. Ouais. Tu gardes ça, tu mets un petit peu de gaz, voilà, un petit filet. Voilà, sous le vent, très bien. Ouais, c'est bien. Allez, on reste intérieur, on reste à droite. Allez, double coup de freinage, gamme droite, et on reste à droite, on reste à droite, on reste à droite, on reste à droite. Voilà, maintenant tu braques, parfait. N'accélère pas trop tôt. Voilà, tu accélères là, maintenant tu peux élargir, accélérer progressivement. Voilà, très bien. C'est vrai. Sensation, hein. C'est trop bien. Il y a le son aussi dans la vidéo. Hein. On m'entendra dire que je suis content. Ouais, normalement il y a tout. Ouais. Il y a un petit micro qui est là, le micro. Tu vois. Ouais. Nickel. 60, je suis à 90, ouais, chicane. En fait, en boîte auto, ça va bien. On se concentre vraiment sur la trajectoire. Ouais, comme ça, c'est ce que je te dis. Hein, ouais. Tu peux vraiment profiter de la voiture, des trajectoires, de circuit, tout ça. Et voilà, tu te. T'as vu, dès que tu fais les vitesses toi-même, même si c'est séquentiel, ça prend quand même plus de casse, quoi. Ah bah oui, c'est clair, c'est clair. C'est pas la, même chose, c'est plus compliqué, quoi. C'est clair. C'est bien. Ouais, c'était... C'est bien, puis c'est vrai qu'avec 6 tours, t'as le temps de le prendre en main. En plus, c'est pas toujours, comme je te disais, qui est
quand même assez facile à prendre en main. Ah ouais, c'est clair. Ah bah oui, complètement. Vraiment, hein, complètement. Ça, qui est ça va, j'ai pas mal piloté. Non, c'était très bien. C'était très bien. Allez, tu peux garder là. Hop. Impeccable. Impec, nickel. Impeccable. Tac. Eh bah parfait. Nickel. Merci David.